Personne ne sait. Это Слава, это Виталик, это бабушка наша, круто, Федерик, Федерик, Шарлотта, Шарлотта. Да, Олег, бригадир. Олег. L'homme à la cigarette, c'est Oleg, le doyen et le chef de ce campement qui réunit 25 personnes. Bonjour Yarik. Non, il veut pas lui. Non, ça fait rien. Ça fait rien s'il veut pas. Charlotte. Ah. Maintenant que l'hélico est parti, il n'y a plus un bruit. C'est dingue. Ça, c'est votre maison, Rita? Mm-hmm. Oh là là, j'ai froid. Oh. Vous avez froid aux mains? Ah ouais, super paume. Dehors, il fait moins 25 degrés et nous sommes impatients de nous réchauffer à l'intérieur d'un tchoum, cette tente en peau de renne qui peut abriter jusqu'à 15 personnes. À l'intérieur, il fait 20 degrés, grâce à cette femme, Lena, qui alimente régulièrement le poêle à bois et qui nous accueille dans son tchoum avec son mari Oleg. C'est super moelleux. Ah, c'est de la fourrure de renne. Hein. Mais il va faire, quand le poêle va s'éteindre. Comme il fait moins 25 dehors, il fait toujours 10 degrés de plus dans le tchoum. Donc cette nuit, il va faire moins 15. Dans le tchoum? Dans le tchoum. Donc ça va baisser de 35 degrés. Ah, il va faire moins 15? Il va faire moins 15. Ah, d'accord. Alors ça? Ah, on met les bottes? Ah, d'accord. Ah, c'est doublé à l'intérieur et à l'extérieur. Ça, ça va où? Vous le laissez comme ça, non? Sur ma bonne. Alors, moi, je vais bien. C'est bien, moi. Hein? Voilà, c'est pas si bas. Viens, t'es prêt, покажи вообще. Как можно надевать? Charlotte, ногу так сделай. Parfait. Ah voilà, comme ça je peux plier les genoux. Tiens, ah oui. Mais je peux plus bouger là. Pour dormir comme ça? Ou par-dessus? Oh, давай. Я держу, давай. Ah oui, c'est assez serré. C'est super beau, n'empêche. Bien, ça m'étrangle un peu. Все
Donc vous m'allez sans l'air. Oleg, il est comme moi là ou pas? T'es venu? Ah, il a pas mis les bras. Frédéric, on lève les bras, non? On est un pingouin. Ça, c'est bien comme ça. Ah, c'est super, merci. Hein. Merci, merci. Bah. Moi, j'ai super chaud, c'est bon. C'est quand même fou de penser qu'on dort avec ces gens qu'on connaît pas. C'est vraiment gentil quand même de nous accepter chez eux. C'est super intime quand même. Bon, bonne nuit. Bonne nuit, ouais. Qu'il est beau. J'essaie de graver ça dans ma mémoire à tout jamais. C'est tellement merveilleux. Les nénettes sont les plus grands éleveurs de rennes de la planète. Tous les matins depuis des siècles, un rituel est immuable, le rassemblement du troupeau. Parmi les 500 rennes, il faut choisir et attraper ceux qui participeront aux tâches de la journée. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre l'autre nom des nénettes, les princes de la toundra. Casser les pattes. L'homme de la toundra se nourrit des grands espaces. Il vit en liberté avec ses rennes. En fait, il est comme les rennes dans cette immensité. Il va partout où le vent le pousse. Il se déplace comme il veut, quand il veut, où il veut. Seules ses rennes le guident. En un mot, l'homme de la toundra est un homme libre.
Difficile de trouver un peu d'intimité quand on est pour les Rennes, fournisseur officiel de sels minéraux. Une situation incongrue qui m'inspire une petite pensée pour Charlotte. Récemment, 5 hommes de notre campement se sont perdus. Il était impossible de s'orienter parce que le temps était très mauvais. Mais heureusement, ils avaient leur tenue traditionnelle. Ils ont pu survivre pendant 5 jours et ils ont fini par retrouver la direction du campement de Tchoum. Je déteste les tempêtes de neige. On peut se retrouver bloqué dans le Tchoum, sans pouvoir sortir, et sans un seul morceau de bois pour se chauffer. Ça, c'est le pire. J'ai vraiment peur quand on n'y voit plus rien. Il est impossible d'aller chercher du bois. Impossible d'aller aux toilettes. Dehors, il fait très sombre, tu es aveuglé. Ça fait très peur. Regarde, c'est beau. Mais c'est, je sais pas combien de kilomètres. Il n'y a pas de mots. Regarde, il n'y a pas de mots pour redécrire ce qu'on voit là. On est en 2007. Les avions supersoniques travaillent, tout va vite, les internets, les machins. Et là, t'as l'impression d'être... je sais pas, il y a 500 ans. C'est un autre monde. C'est un monde parallèle. Hein, c'est comme si on était arrivé dans un monde parallèle. C'était drôle de vous voir découvrir notre vie. C'était important pour nous de vous montrer comment nous vivons. D'habitude, personne ne s'intéresse à nous. Mais enfin, vous nous avez bien fait rire.